Bonjour à tous. Donc voilà, ma journée commence par aller chercher le grain pour les agneaux, une nourriture particulière spécifiquement pour eux, afin qu'ils puissent bien grandir et évoluer. Ici, je prépare de la luzerne pour donner un complément de nourriture au grain pour les agneaux également. Cette plante que vous voyez pendre est du hou, qui a la particularité de pouvoir soigner les gerçures aux lèvres des agneaux qui peuvent éventuellement causer des infections aux mamelles des brebis. Ceci pour ne pas utiliser des médicaments. Maintenant que les râteliers sont quasiment pleins, je vais donc pouvoir laisser entrer les agneaux dans leur parc dédié. Et vous allez voir, ils ont l'habitude d'y aller, mais il faut aller en chercher quelques-uns qui ont peur de ma présence. Yeah.
Cette brebis essaye d'entrer également car ils sont fans de ce fameux grain que l'on donne aux agneaux. Mais elle n'y a pas droit malheureusement, donc je la retiens. Maintenant, je vais aller chercher le peureux. Hey.
Et comme vous pouvez le voir, ils sont vifs et rapides, il faut arriver à les attraper. Donc je les trie tous les matins pour leur donner la nourriture spéciale pour eux afin qu'ils puissent grandir. Et tous les soirs, ils sont lâchés pour pouvoir allaiter près de leur maman et passer leur nuit au chaud. J'ai diminué le son de la vidéo car j'ai allumé le groupe électrogène pour avoir de la lumière, afin que je puisse bien me diriger entre les brebis pour leur donner à manger. Et cette nourriture est donc la même que donnée aux agneaux, de la luzerne en l'occurrence. Et comme vous voyez, elles comprennent bien qu'elles reçoivent à manger. Et donc ont tendance à se mettre dans mon chemin et je dois donc me frayer un chemin à travers elles. Elles vont d'ailleurs, vous verrez bien sur les images, s'affairer autour du râtelier que je viens de remplir pour être les premières à manger. Elles ont même tendance à être un petit peu agressives entre elles pour pouvoir arriver les premières à la nourriture. À chaque passage, je vérifie d'ailleurs qu'elles ne s'étouffent pas ou qu'il n'y en ait pas une qui soit tombée à terre. Chaque tranche de luzerne que vous me voyez prendre fait entre 25 et 30 kilos.
Je n'ai plus de luzerne. J'apporte donc une nouvelle balle pour pouvoir faire l'ensemble du tunnel. Chaque balle fait à peu près 650 kilos. Le groupe électrogène vient de se couper par manque d'essence. Donc j'ai la possibilité de remonter le son de la vidéo pour que vous puissiez profiter du bêlement des brebis. Encore quelques secondes avant la fin de cette vidéo. Car le reste est évidemment un petit peu rébarbatif. Il faut que je finisse cette balle au complet et le geste est un petit peu répétitif pour vous montrer l'ensemble. Donc voilà pour le travail le matin. Il s'agit donc de donner à manger et de préparer le parc des agneaux, de les trier pour les y conduire, ensuite de donner à manger aux brebis. Je profite à chaque passage dans le tunnel de vérifier que toutes les brebis sont en bonne santé et qu'aucune ne soit allée avec sa patte ou autre dans les différents râteliers, ce qui arrive relativement régulièrement. Et après avoir donné à manger à toutes les brebis, je m'affaire donc à leur donner à boire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui prend fin maintenant et je vous donne rendez-vous la prochaine fois.